pose euros sur la bleuta. Kilo fissa fissa, marocaine colombienne. J'donne ça fissa fissa. Bigo moi, pur acti, j'suis dans la tête ça. Tes frères ça tourne bien, c'est la secla. Tongo c'est Kaira la muerte. Au comico on pratique l'omerta. Pépele, pépele, pépele. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis en interview. Il y a thtango.hotel. Alors salut à toi. Bien quoi? Ouais, au calme, toujours. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Ouais, bah TH, rappeur de Créer Plateau. Tu connais? Ça hein? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà pour commencer, ton blaze TH, ça signifie tango.hotel. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? C'est un argot de keuf, tango.hotel. C'est l'argot militaire. TH, bah, tango.hotel. J'ai pris ça. Mais à la base des bases, ça vient de ma Tommy, ça vient de mon ancien blaze. Et vu qu'on n'en fait que TH, bah, j'ai gardé le TH et voilà. Ouais, ok, ouais. Alors, du coup, toi, tu viens de Creil, dans le 60. C'est pas trop connu pour le rap ici, alors vas-y, je te laisse un peu parler du rap qu'il y a dans ta région. Ouais, après, c'est vrai que c'est pas connu. Hein. Les seules personnes qu'on connaît en ce moment, c'est qui? Que Black, c'est qui? Que Black. Ouais, il y avait un peu Clovis, je sais pas si tu connais Clovis. Tu sortais un peu du lot. Non, je vois pas. Vrai, c'est pas trop connu. Tu vois pas les Clovis? Non, je connais pas lui. C'était un rappeur qui sortait un peu du lot aussi. Et voilà, après le reste, c'est que des gens de la région, des anciens, et voilà, pas trop connu. On va bousculer le truc. Et ouais, ok. Alors sinon, je te laisse un peu parler de tout ce que t'as fait dans le rap, alors les clips, les trucs, tout ce que t'as fait, je te laisse un peu résumer. Ouais, j'ai pas sorti énormément de trucs, parce que t'as vu, à la base des bases, je devais arrêter le rap, t'as vu. Et avec beaucoup de force des miens, je suis revenu et là on va essayer de faire un truc assez lourd. Je suis venu avec une série qui s'appelle Othello. C'est une série de 8 épisodes. Je sais pas si t'as dû voir le premier épisode. Ouais, j'ai vu. Ouais. Premier épisode, deuxième, troisième qui doit sortir là, bientôt là. Le premier c'était pas vraiment parti de l'épisode, le tout premier. C'est un truc pour prévenir qu'on arrivait, tu vois. Et voilà, on a vu. Après, ce qui va sortir, le dernier clip qui est sorti, c'est un hors-série. C'est un truc que je voulais sortir, c'est un morceau que j'ai fait comme ça, et je devais le sortir, parce qu'il fallait sortir un truc, et sentais qu'il était bon pour sortir ce morceau-là, et je l'ai sorti. Après, tout ce qui va sortir, ça va faire à partir de la série, à part un autre son qui va sortir bientôt, là, normalement, si tout se passe bien. Après tout le reste là, ça fait partie de la série Othello. Ok, voilà. ouais. Alors sinon, il y a eu dans tes séries de Othello, du coup, il y en a eu un en live de Génération, il me semble. Alors vas-y, je te laisse un peu parler de ça. Hein. Ouais, on m'a invité sur Génération et j'ai sorti, j'ai fait le. C'est le troisième, ouais, c'est le troisième que j'ai fait sur. Ce que je vais sortir prochainement. Je l'ai fait en live sur Génération. Et voilà. Bientôt tu verras, tu t'en entendras parler. Si tout se passe bien. Ouais, de toute façon. C'est fini le titre du morceau. De toute façon, dès que ce sera sorti, bien sûr, je partagerai tout ça pour tous ceux qui veulent se tenir au courant. Alors sinon, est-ce que t'as des feats qui sont prévus? Non, y'a pas de feat. Y'a pas de feat prévu. On arrive en force tout seul. Après, ça viendra par la suite, hein, peut-être. Ah ouais, je vois. On n'est pas fermé. Et ça arrivera, mais pas maintenant. Maintenant, on est en cercle fermé. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors sinon, en ce moment, il y a un Congolais, Kinshasa, comme toi, tu vois, Kalash criminel. En ce moment, lui, il fait beaucoup de buzz. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Fort, on aime bien ce qu'il fait. Franchement, bien, il se démarque et... Il apporte son truc à lui, hein. On aime bien, on représente le pays en plus, c'est bien. Ouais, c'est des bons bails. Alors, sinon, est-ce que tu penses un jour faire un projet comme un EP ou une mixtape? Ouais, il y a peut-être un petit EP qui va arriver par la suite des événements.
si tout se passe bien, si tout se déroule, si tout se déroule comme prévu, ben voilà, il y a un peu qui sortira en temps et en heure. Ouais, bien vu. Est-ce que t'as une idée d'un nom ou de quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas encore de blague. Il n'y a pas encore de blague, mais ça sera très très prochainement. Ouais, ok. Et la dernière question, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Même pas. Franchement, moi le foot, pour pas te mentir, je m'en fous complètement du foot. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je regarde même pas un tout petit peu le foot. T'as vu, si tu vois avec un maillot de Paris Saint-Germain ou de Manchester ou je sais pas quoi, c'est parce que je kiffe le maillot, c'est tout. Hein. Mais sinon, le foot, oulala. Ah ouais, ok, je vois, ouais. Ok, gros, bien vu, hein. Merci à toi pour ta participation. Bah, merci à toi aussi, mon pote. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, ta page Facebook est dans la description. Pour tous ceux qui veulent aller le voir, allez checker, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo. Mettez un commentaire, tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Euro sur la bleuta, kilo fissa fissa. J'pose euro sur la bleuta, kilo fissa fissa.